La plus belle des fleurs qui ait jamais été semée, cet enfant que moi-même je prendrai, qui sera mienne et ferai selon mon cœur. Ces mots de William Wordsworth ont été écrits il y a près de 2 siècles. Une fois encore, comme pour les autres crimes, on les a trouvés auprès du corps. Et au cours de ces 2 derniers mois, ces mots n'ont pas cessé de garder leur mystère. La même façon de procéder, également le même endroit désert. Et ces lignes d'une poésie connue. Allons-nous-en. Linda Phillips, comme nous le disions, est la 4e victime de l'étrangleur. Les services de police, qui sont dirigés par le lieutenant Matthew Rankin, n'ont malheureusement pas, pour le moment, d'indices solides. Et les femmes de notre ville devront continuer à s'enfermer à double tour chez elles et à ne plus ouvrir leurs portes à la nuit tombée. La première, Hélène Schreiner, 21 ans. Serveuse de restaurant et divorcée depuis 2 ans, vivait seule. La seconde, Barbara Newman, née Harris, 24 ans. Elle était professeure de danse. Étranglée il y a 5 semaines, également divorcée, 3 mois avant sa mort. Qu'espérez-vous donc obtenir de ça? Emily Bergman, 28 ans, employée à temps partiel dans une agence de voyage et étudiante, fiancée à un certain Samuel Agajanian. Morte juste 1 mois avant la date prévue de son mariage. Elles avaient un emploi les mettant en rapport avec le public. Et enfin, au cours de la nuit dernière, est morte Linda Phillips. 25 ans, elle avait un ami, mais elle vivait seule. Elle était employée dans une librairie, elle s'occupait des livres d'art. Un point commun entre elles, elle vivait seule. Il y en a certainement d'autres. J'aimerais trouver ce qui peut bien les unir, leur dénominateur commun. Tout était seul et elle travaillait pour le public. Mais quel est le lien entre ces deux choses-là? Pourquoi tout à coup montrer tant d'intérêt à cette histoire? Qu'est-ce qui vous passionne? Cette fille-là, Linda, je lui ai acheté plusieurs fois des livres. Elle a même fait des recherches pour moi. Elle était une douceur, c'était une fille vraiment charmante. Et je vous assure qu'elle adorait la vie. Ce serait une affaire personnelle. C'est une affaire personnelle, sans doute une affaire qui me touche de très près. Qui sait si Stuart ne m'a pas repéré un jour que je choisissais un bouquin avec Linda? Qui peut me dire si je ne serais pas sa victime? Qui peut dire s'il ne m'a pas choisi moi, Joss? C'est vrai que vous remplissez bien les conditions. Je m'excuse. Vous êtes Douglas Telford, n'est-ce pas? Je suppose que vous ne vous souvenez pas de moi. Nous nous sommes vus une fois dans ce magasin. Je venais prendre un travail que m'avait préparé Linda. Je me souviens un peu, oui, mais pas très bien. Kate Colombo. Ah, c'est ça. Oui, je me souviens. Je suis vraiment désolée. Je sais combien le choc a dû être violent pour vous. Je dois considérer ça comme un élan de sympathie. Ou alors comme une entrée en matière pour un article, une sorte d'exclusivité sur les secrets de Linda par son ex-petite amie. J'ignorais que vous étiez séparés, Linda et vous. Je m'excuse d'avoir... Il y a déjà plus de 2 mois de cela. Et c'est Linda qui l'a décidé. Ou plutôt, comme l'a dit la police, elle m'a jeté. La police est venue ici et vous a interrogé? Oh, pas ici, non. J'ai été amené à leur bureau, ça a duré 3 heures. Pourquoi a-t-elle décidé de te quitter? Il n'y aurait pas une autre personne qui t'aurait remplacé? Peut-être bien que ça t'a rendu furieux. On connaît ça, tu as peut-être eu envie de la tuer. Plus de 3 heures comme ça. Je sais, c'est très ennuyeux, mais c'est leur travail de chercher. Ils posent des questions pour se faire une idée. Il faut essayer de les aider. Je l'ai fait en leur donnant tout un tas de réponses. Mais je n'ai aucune raison de continuer. Je comprends fort bien votre hostilité, surtout après tout ce qui s'est passé, mais je veux vous persuader que pas un instant je ne songe à écrire du sensationnel sur Linda. Ce que je veux, c'est en savoir suffisamment pour que peut-être on empêche d'autres meurtres odieux. Madame, nous allons fermer. Comment ça, vous affichez ouvert jusqu'à 21h? Non, désolé, terminé. Nous ne voulons pas courir de risques inutiles. Oui, je crois, je comprends, mais Douglas... Douglas n'a rien à dire de plus. Et il ne vous dira rien du tout, ni à aucune autre personne. Allez, entrez. Docteur Marco? Oui. Si vous êtes de la police, je crois que je renouvelle le contrat. Je suis Kate Colombo, mais Kate suffira. Je suis très heureux de vous connaître, Kate, très heureux. Vous êtes surprise de me voir jouer à ça?
Les difficultés du monde adulte se trouvent allégées par ses retours aux gestes enfantins. Est-ce que vous joueriez avec moi? J'aimerais bien, oui, une autre fois. Je vous apporterai une poupée. Vous détestez les jouets, j'en suis sûr. Vous jouez à l'adulte. Voyons ce qui vous a amené ici. Vous voulez savoir qui est l'étrangleur, c'est ça? Vous avez gagné. Je n'en sais rien. Vous devez sûrement avoir une petite idée du mental d'un tel meurtrier. Ah, bien sûr. On peut penser déjà qu'il est schizoïde. Personnalité très sensitive. Voilà, c'est très net. C'est une personnalité très changeante. Je pourrais écouter assise? Oui, bien sûr. Vous pourriez être plus clair? Si je résume, je dirais que c'est une personne tout à fait ordinaire, à qui par moment il arrive des choses qui la... Mais pourquoi? Dites-moi. La schizophrénie prend généralement naissance dans des événements qui surviennent au cours des années d'enfance. On peut supposer que cet étrangleur vient d'un foyer désuni, abandonné par le père, ou peut-être par la mère. Ou encore qu'il détestait sa mère parce qu'elle dominait son père. Ou peut-être était-il jaloux de l'amour de son père pour sa mère. Et disons, pour être clair, que je n'en sais rien. Et regardez ça. Que remarquez-vous? Ça peut être n'importe qui, je vois pas, non. C'est quelqu'un de très ordinaire. C'est parce que vous n'êtes pas entraîné. Regardez un peu le nez de ces personnages sur les différents dessins. Oui, ils sont très semblables. Ils sont larges en haut. Ah ben oui, j'ai rien marqué sur le cou. Ça peut signifier quoi? Je n'en ai pas la moindre idée, hélas. Je continue à travailler sur les aspects externes de son modus operandi. Dans sa manière d'agir, on voit certaines choses intéressantes et à la fois déconcertantes. Donc en fait, docteur, vous êtes dans le noir total comme nous le sommes tous, n'est-ce pas? Oui. Mais si vous y êtes aussi, alors je me sens bien moins seul avec vous. Docteur... Je trouve très amusant qu'on essaie de détendre l'atmosphère quand on se voit ainsi confronté à ces situations, mais en tant que femme qui vit toute seule, je n'apprécie guère. J'ai la frousse. Oui, c'est évidemment à considérer. C'est une réaction normale, une réaction équilibrée, une réaction de défensive. Qu'est-ce qui se passe? On emmène un homme pour l'interroger sur l'affaire de l'étrangleur. Une arrestation? Ça ressemble à une émission de variété pour la télé, Mike. Qu'est-ce qu'ils font ici? Qui a pu rassembler autant de monde? En haut lieu, on veut des résultats. On force un peu la dose, ça calme les gens. Le spectacle a l'air bien réglé, en tout cas. Qu'est-ce qu'on a contre lui? Eh bien, il travaille ici, on est tout près du réservoir où ont eu lieu les meurtres. Et puis, des témoins ont vu une voiture bleue qui ressemblerait à la sienne. Il correspond assez à la description. Il correspond à l'homme qu'on a sur les dessins? Oui, en fait, ces dessins ont été faits d'après les personnes présentes. Le voilà! Excusez-moi. C'est le passage! Écartez-vous. S'il vous plaît. Non, non, non. Pourquoi les avez-vous tués? Vous les connaissiez? Je n'en ai pas qu'ils sont. Dites-moi. S'il vous plaît. Écartez-vous. Entrez, c'est ouvert. Monsieur Atwater? Oui. Excusez-moi, monsieur Atwater, je me nomme Kate Colombo, je suis journaliste au journal local. Encore un journaliste? Oui, je voulais seulement connaître... Vous connaissez quelque chose à l'électronique? Oh, assez peu, je le crains. Eh bien, je le regrette. C'est un appareil de contrôle de sécurité. Ça contrôle tout, la moindre entrée, les fenêtres et soupiraux, paraît-il. La notice dit qu'un gosse de 6 ans peut le mettre en service. Je suis venu parler de Mitchell Radner et je serai... Mitchell Radner? Celui-là, c'est une personne d'une rare qualité. C'est un savant, un vrai chercheur. Un homme qui a de l'imagination et du courage. Ce qui signifie qu'il n'y a aucun problème avec ce monsieur. Pas le moindre. Je dois dire que je n'ai pas compris son arrestation. Les policiers ont dit que le lieu des meurtres était tout près d'ici. Et certains témoins auraient cette nuit-là aperçu un homme qui circulait dans une voiture bleue.
Oh, c'est donc ça. Bon, évidemment, notre collègue aussi possède une voiture bleue. Mais tout le monde ici possède une voiture bleue. Vous aussi? Non, mais les clés de la voiture de Nichel sont là, au clou, et qui en a besoin s'en sert. Et chacun de nous en fait grand usage. Moi, je l'ai prise hier pour me rendre sur le campus. Ils sont venus arrêter Radner. C'est vrai, mais qui êtes-vous? Yvan Warshaw. Vous n'êtes pas journaliste? Si, si, je le suis. Je peux vous dire des choses sur Radner qu'Atwater a dû oublier. Oh! A-t-il parlé de ses contacts célestes? De ses contacts célestes? Ah oui, il a eu des contacts avec certaines civilisations dans l'espace l'an dernier. Et ça s'est révélé assez embarrassant pour les dirigeants de l'observatoire. Alors ce monsieur a imaginé qu'il correspondait avec certaines civilisations inconnues? Oui, il a capté, paraît-il, un signal radio depuis l'espace. Ça n'était qu'un pulsar ordinaire qu'on venait de découvrir un mois avant lui. Je vois. Les astronomes seraient-ils à l'abri des erreurs? Si j'avais dû, moi, commettre cette bêtise, j'aurais été mis à la porte sans autre forme de procès. Dis donc, on dirait que vous êtes assez vieux jeu et que vous ne supportez pas une certaine rivalité. Ça ne me gêne pas. Je me demande si vous n'avez pas eu à en souffrir pendant votre enfance, un frère ou une sœur, peut-être? Oh, je suis fils unique. Mes parents ont divorcé, j'avais 2 ans. Mais en quoi cela concerne l'affaire Radner? Rien. Pour l'instant. Allô, oui, j'écoute. Judy Field à l'appareil. Oh, c'est toi. Je ne savais pas si tu appellerais. Non, je doute que sortir tous les deux ce soir serait idéal. Pour le plaisir qu'on a eu ces derniers temps. Tu sais que je n'aurais pas fini ici avant 6 heures et que je suis... Entendu, j'y penserai. Écoute, rappelle tout à l'heure, la cliente s'impatiente. Que voulez-vous? Vous dire quelque chose. Pourquoi? Vous étiez à la mascarade, je vous reconnais. J'y étais, c'est exact. Alors, vous tenez votre article. Le jeune astronome devient un excellent suspect. Que voulez-vous de plus? La confession du cinglé? Je tenais à connaître votre version avant d'écrire quoi que ce soit. Ma version de l'histoire ne risque pas d'être sensationnelle, elle est simpliste. Je n'ai pas tué ces femmes. Nous n'allons pas discuter ici. Vous oseriez rentrer chez un meurtrier? Je courrais ce risque. Alors, que voulez-vous que je vous dise? Si j'ai déjà eu des problèmes psychologiques, on me l'a demandé. Est-ce que les filles crient au moment où je les tue? On me l'a demandé aussi. Non, c'est pas ça qui m'intéresse. Ah. On m'a aussi demandé si j'étais heureux devant les victimes terrorisées. Est-ce que vous confondez la police avec la presse? Oh, la différence ne saute pas aux yeux. Vous êtes tous les mêmes. Lisez dans les journaux demain, vous verrez. Pas mon journal, en tout cas. Non, que peut-il donc avoir de plus? Il n'est pas comme les autres à la recherche de faits divers, croustillants. Mitchell, c'est la police qui a tout dérangé, là. Qui d'autre ça pourrait être? Ça paraît évident, non? Ils ont trouvé quelque chose? Il faut qu'ils trouvent. Ils ont emporté un livre. Ils ont emporté un livre de poèmes dont une des pages a été cornée. Pourquoi l'avoir cornée? La police a eu la même réaction. Je l'ai fait par curiosité. J'ai lu aussi le poème dans la presse. J'ai voulu savoir ce qu'il disait exactement. Je suis sûr que la plupart des gens ont fait la même chose. Ils ne vous ont pas arrêté seulement à cause d'une corne à la page du livre de poèmes? Oh non. Non, 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 ils avaient des indices accusateurs, comme ils disent. Et des croquis, des portraits dessinés. Vous les avez vus? Oh, ces portraits robots ont un point commun, ils sont tous aussi sinistres. Est-ce qu'ils me ressemblent? Si le dessinateur croit avoir fait votre portrait, il devrait bien retourner à l'école. En se basant sur ce portrait, ils m'ont exhibé devant un tas de gens. Et alors? Aucun ne m'a reconnu. Je doute d'ailleurs qu'aucun témoin qu'on place derrière les projecteurs arrive à reconnaître qui que ce soit, l'étrangleur ou un autre. Alors pourquoi moi? En êtes-vous sûr? Ils m'ont laissé partir, que je sache. Bon, je vois qu'ils n'ont pas touché au télescope. Vous ont-ils parlé de votre voiture? Oh, ça ne tient pas non plus. Je serais heureux de voir un de ces flics prétentieux me différencier une voiture bleue d'une voiture grise dans la nuit noire. Effectivement, il faut être très observateur. Moi, l'observation, c'est mon quotidien. Et je sais ce que c'est. Regardez là-haut. C'est ça que j'aime observer.
temps, espace et distance. L'infini. Et par comparaison, nos petites histoires de terriens ne sont que peu de choses. Je crois que ça dépend surtout du point de référence. Essayez de réfléchir. Si un jour notre système solaire s'arrêtait, si le soleil venait à brûler d'un coup, quelque part là, à des années-lumière d'ici, qui sait, il y aura peut-être à ce moment-là un gosse sur un balcon qui fera comme nous. Savez-vous ce qu'il verra? Une petite lueur là-haut dans le ciel. Tout notre système s'en ira en fumée d'un seul coup, et tout ce qui en restera, ce sera ça. Une petite lueur dans le ciel. Mais c'est censé prouver quoi, Mitchell? Pourquoi racontez-vous cette histoire? Mais voyons, ça prouve ceci. Mon temps de vie, ma seule existence, n'est qu'une lueur, elle aussi, dans l'immensité de l'univers. Savez-vous si M. Samuel Agajanian est rentré du Canada ce jour-ci? Ah! J'aimerais que nous ayons une petite conversation dès qu'il rentrera. Au journal, oui. C'est ça, l'affaire Émilie Bergman. Voilà, je vous remercie. Au revoir. Excusez-moi, mais vous devriez fermer l'entrée mieux que ça. Oh, je croyais qu'elle l'était. Je suis à vous dans une minute. C'est mon cœur qu'on sent repartir. Oh. 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 Ce soir, je ne tenais pas en place. J'en ai assez de voir tous ces gens me regarder, tous ces idiots qui restent là à attendre que le monstre sorte de chez lui. Et aussi, je voulais vous dire... Je voulais vous dire merci pour l'article qui est sorti dans le journal. Vous êtes la seule qui n'ait pas laissé entendre que c'était moi le tueur. Et si vous partiez en vacances pour un certain temps, hein? Oh, ça contrarierait les policiers. Ils tiennent à ce que je sois là en cas de besoin. Et puis, où est-ce que j'irai? Je n'ai personne. J'ai un cousin qui est à New York. Il a écrit pour me dire que ces jours-ci, j'ai eu l'honneur de passer à la télévision. Vous avez des amis ici, non? Oh, j'en ai eu. Mais voilà qu'aujourd'hui, aucun d'entre eux ne semble être là. J'ai l'impression qu'ils ont tous contracté une espèce de maladie. On est désolé, Mitch, mais on a tellement d'occupations. On verra ça une autre fois. Et vos parents, où sont-ils? Oh, je n'ai pas le cœur à les voir pour l'instant. J'aimerais bien vous venir en aide. Peut-être que vous le pouvez. Il y aurait une façon, mais vous avez peut-être quelque chose à faire ce soir. Il faudrait alors que je téléphone à la babysitter pour qu'elle remette une pièce dans le compteur. J'ai pensé que ça vous intéresserait de voir l'observatoire de nuit. Vous aurez une vision du monde comme jamais vous n'en avez eu. Hein, ça aurait été agréable, mais pas ce soir. Peut-être une autre fois. Eh bien, tant pis. Je choisirai une étoile pour vous et je ferai un vœu. Si j'étais vous, je ferais ce vœu pour moi en égoïste. C'est ça ton truc, Radner? J'aime bien voir les ébats amoureux.
faudrait qu'on avertisse la police, non? Faut-il qu'on l'arrête chaque fois qu'on trouve une femme assassinée? Simplement parce qu'il est suspect, Kate. On a des questions à lui poser. Qu'est-ce que c'est? Les photos de moulage de traces de pneus près du réservoir. Et ça donne quoi? Rien encore. Et quand le saura-t-on? L'une des traces en question pourrait venir de sa voiture, ça doit être vérifié, c'est tout. Si vous n'êtes pas foutu de faire parler, salaud, laissez-le moi 10 minutes. Je sais comment il faut faire. Allons, du calme, venez. Cet homme a quelque chose à voir là-dedans? Oui, c'est l'ex-mari de la dernière victime. Il est venu exprès nous voir, il habite San Diego. Non, je crois qu'on ferait mieux de rentrer. Hein. Ça s'est fait comme pour les autres? Et exactement pareil. Mmh. Mike. Le légiste dit que la femme a été tuée dans l'heure qui a précédé la découverte de son corps. Et la découverte a eu lieu à 9h15. À 8h30 ce soir, Mitchell était au bureau, nous avons discuté. Il n'aurait pas eu le temps de se rendre du réservoir au bureau pendant ces quelques minutes. Le rapport dit dans l'heure précédente, ça peut être 10 minutes ou ça peut être plus d'une heure. Toujours ces mêmes mots de Wordsworth. C'est le dernier exemplaire qu'on ait trouvé auprès de la femme morte. Ça n'a pas été tapé sur la même machine que les autres. On n'a jamais dit que ce tueur était bête. Avez-vous essayé de comparer ses caractères à ceux de toutes les machines que Mitchell aurait pu utiliser? Il y a une machine au bureau de l'observatoire. Et nous n'avons aucun moyen de prouver que c'est elle qui a été utilisée. Warwick, venez. Oui, j'arrive. Si vous avez vu Radner au moment où se commettait le meurtre, ça peut l'aider. Je vais en parler, on vous fera témoigner. Entendu. Entendu. Monsieur Fielding, la police a-t-elle de nouveaux éléments? Laissez-moi tranquille. Mais votre ex-femme avait-elle une liaison? Laissez-moi, je vous dis. Monsieur Fielding, s'il vous plaît. Je n'ai rien à vous dire. Monsieur Fielding, avez-vous déjà rencontré Radner? Est-ce que votre ex-femme le connaissait? S'il vous plaît. Monsieur Fielding. Il faudrait analyser la boue sur les roues de la voiture de Fielding. Elle vient sûrement du chemin du réservoir. On vérifiera ça. Mais Radner n'a pas été en mesure de donner l'emploi de son temps juste avant d'aller au journal. Mais malgré vos affirmations, il reste le suspect numéro un. Mais il devait être quelque part, qu'a-t-il dit? Oh, qu'il était resté chez lui à regarder le ciel. Écoutez, il est très difficile de supposer qu'il est allé assassiner une personne et qu'il est venu au bureau me voir tout tranquillement. Mike, s'il vous plaît, analysez la boue sur les roues, ça nous aidera. Entendu. Je m'en occupe. Je compte sur vous, hein. Bientôt. Je ne suis pas sûre qu'il apprécierait, madame. Je pense, moi, qu'il ne m'en voudrait pas. La police est venue déjà. Vous cherchez quoi, en fait? Je n'en sais rien. Un petit détail qui serait utile. Bon, mais surtout, ne laissez pas ouvert en partant. Promis. Merci. Dans son télescope presque tous les soirs. Et vous êtes sûr qu'il était bien sur le balcon à 8 heures hier soir? Je suis toujours sur la terrasse à écouter la radio. Et on donne souvent l'heure sur mon poste. Et ce monsieur était là depuis les environs de 7 heures jusqu'à 8 heures en tout cas. Dans ce cas-là, il est inconcevable que ce soit lui l'auteur du meurtre. Il faut dire à la police que vous savez. Une petite minute. Kate. Quelqu'un vous attend. Qui ça? Il s'appelle Agajanian. Ah oui, je sais, merci. Je vais aller lui parler. Okay. Monsieur Agajanian, comment allez-vous? Je suis Kate. Je vous remercie d'être venu me voir. Ça ne me dérange pas, au contraire. C'est pour parler de la mort d'Émilie. Oui. Oh, asseyez-vous, si vous voulez. Nous avons du café. Non, 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 merci. Je me rends compte de la peine que vous devez éprouver aujourd'hui, mais je suis obligée d'en parler.
Vous alliez donc vous marier et vous avez dû faire publier les bans. Ils l'ont été à la mairie, oui. Ça n'a pas dû être bien simple pour vous ensuite d'avertir les gens, de décommander les invitations que vous aviez envoyées. Oh, je n'ai pas eu à le faire. Émilie avait décidé de ne plus se marier et les invitations n'ont jamais été envoyées. Ah, elle n'a pas donné suite à votre projet? Non, elle a décidé d'un seul coup de passer un concours. Et elle a dit que le mariage pouvait la gêner dans sa carrière. Est-ce que vous aimeriez que je vous parle encore un peu d'elle? Monsieur Agajanian, vous venez de me dire ce que je voulais savoir. Excusez-moi, monsieur. Oui, madame. Je cherche quelqu'un pour lui parler de l'étrangleur. Chère madame, j'en connais tellement qui viennent ici pour nous parler de l'étrangleur. Je regrette. Ça se peut très bien, monsieur, mais je crois que vous ne tenez pas le bon meurtrier. Et je voudrais bien le dire à votre patron. Je suis sûre que lui prendrait le temps de m'écouter. Venez. Vous allez attendre ici rien qu'un petit moment. Merci. Madame, voilà le lieutenant Hanke. Venez. Alors, madame Winston? Oui, c'est bien lui. C'est mon voisin. Je vous ai vu hier devant votre télescope de 7h à 8h. S'il vous plaît. Qu'est-ce que vous avez à dire à la police? Quelle est votre opinion sur l'affaire? Avez-vous été maltraité? Répondez-vous nous dire ce que vous pensez servir. Donc, ça nous donne une petite idée. On peut imaginer les raisons. Linda Phillips avait un ami depuis 3 ans, nous savons cela. Elle a rompu dernièrement et c'est elle qui a décidé cette rupture, comme deux des autres victimes avaient décidé de leur divorce. Alors qu'Emily Bergman a renoncé au mariage. Dans tous les cas, nous avons une importante relation, mais dans tous les cas aussi, c'est la femme qui décide de la rupture. Je suis prêt à parier que le tueur a des parents qui sont séparés et qu'il y a des chances pour que ce soit la mère qui en soit responsable. Le meurtrier, au cours de son enfance, a vu son père souffrir de solitude et il en a rejeté la cause sur sa mère. Il se trouve que justement, cet autre étudiant employé à l'observatoire, lui aussi, a eu des parents qui se sont séparés et il utilise lui aussi la voiture de Radner. Vous êtes utile? Oui, je cherche quelqu'un. Attendez, monsieur George Appleby. Il n'y a personne qui s'appelle comme ça ici. Oh, ben on a dû me donner une fausse adresse. Je ne sais pas ce qu'ils ont tous au bureau, mais jamais j'ai un renseignement correct. Je vous prie de m'excuser, je suis vraiment navrée. Au revoir, je m'excuse. Oui, le sergent Warwick appelle urgent. Prélevez de la boue sur les roues de la voiture. Police, ouvrez. Brigade criminelle. Ben, qu'est-ce que vous venez chercher ici? Dites, vous pourriez au moins m'expliquer ce qui se passe, il me semble, non? Radner est innocent du meurtre de votre ex-femme, alors on cherche qui aurait eu intérêt à la tuer. Oui, à première vue, ça marche. Bonjour les enfants. Bonjour, vous cherchez ma mère? Oui. Elle n'est pas encore rentrée. Ah,
Elle est encore au bureau du journal? Oh, je sais pas, mais en général, elle tarde pas à rentrer à cette heure-ci. Qui vous êtes? Je suis Mitchell. Ah, et moi, Jenny. Bonjour. Alors, maman vous connaît? Oui, je la connais. Tu as de la chance, tu sais. C'est une très gentille dame. Oui, sauf quand j'ai des mauvais points à l'école. Ah oui? Moi, c'était mon père qui s'occupait de mes notes. Il était très sévère. Et le tien, il est plus gentil? Oh, il est gentil, il me laisse tranquille, parce que lui, il vit ailleurs et pas chez nous. Comment ça? Ben, lui et maman, ils ont divorcé, alors... Mais je le rencontre beaucoup, les week-ends et des fois en plus quand il est en congé. Maman! Bonsoir! On dîne dans une heure, chérie! Ah, vous êtes là! Madame Winson m'a expliqué ce que vous avez fait et je ne sais comment vous dire merci pour tout. Alors, ne dites rien, reprenez le travail et essayez de ne pas trop y penser. Oh. J'ai de quoi dîner ce soir, ça vous dirait? Oh, merci, mais je dois rentrer plus tôt à l'observatoire ce soir. Ce sera ma dernière nuit, figurez-vous. On a résilié mon contrat. On vous a renvoyé? Mais puisqu'on vous a innocenté? Oui, je n'ai plus d'ennuis avec les policiers, mais j'en ai avec l'université maintenant. Quelle est la raison? Ils ont donné à Atwater un ultimatum, moi ou son programme. J'ai, paraît-il, sali leur image. Oh, Mitchell. Que comptez-vous faire, alors? Je n'ai pas encore réfléchi. On me donne 2 jours pour décider de 4 ans de travail. C'est pas facile. Écoutez, ce soir, c'est ma dernière chance. Je voudrais bien que vous veniez voir mon ciel. Ce sera ma façon à moi de vous remercier pour tout. Je vous révélerai l'univers, ses galaxies, ses étoiles, comme jamais encore vous n'aurez eu l'occasion de le faire. Alors, j'appelle la gardienne. Quand faut-il que je vienne? Disons, à 8h? 8h30? Entendu. J'y serai. Dites à vos étoiles d'attendre. La machine, plus la boue relevée sur les roues de sa voiture et la chambre qu'il avait retenue le soir à San Diego et n'a pas eu le temps d'utiliser. Ça devrait clore l'affaire. Est-ce qu'on va le dire à la presse? Ah oui, mais ce n'est pas notre étrangleur. Il n'y a que les seuls mots qui aient été écrits sur cette machine et il semble que la méthode de strangulation soit fortement différente. Hein? Ce serait un simulateur. Il a dû s'imaginer qu'il tenait un bon moyen d'évacuer ses problèmes personnels, mais c'était un peu naïf. Il aurait fallu qu'il en sache plus sur le vrai tueur. Belle fleur qu'on ait jamais semée sur terre, cet enfant que je vais prendre, qui sera mienne et ferait selon mon cœur. Je constate en tout cas que si vous êtes un chercheur discret, vous avez aussi le sens de la dramatisation. Tenez, asseyez-vous. Ici? Oui. Les étoiles vont entrer en scène. Magnifique. Merci d'avoir accepté. Je n'ai encore jamais vu une chose aussi fascinante.
Je vous avais dit que c'était merveilleux. Oh, notre monde dans tout ça n'est qu'une minuscule petite poule perdue parmi les autres. Oui. Une petite bille grosse comme celle d'un grillon. Mais il y a encore mieux. Mais qu'est-ce que c'est que ça? C'est le message des galaxies. Écoutez. C'est sublime. Je les écoute depuis bientôt 2 ans. Je suis sûr qu'ils essaient de communiquer avec nous. Mais je croyais que le professeur Altwater l'autre jour m'a dit justement que... Et puis Yvan... Yvan est un imbécile. Il vous a dit que c'était un pulsar, n'est-ce pas? C'est ce qu'ils croient tous. Je suis sûr que non, écoutez. Qu'avez-vous fait pour forcer votre mari à partir, Kate? Quoi? Qui a pu vous donner l'idée? Pourquoi que... Pourquoi l'avoir forcé à partir de chez lui? Et laisser Jenny sans son père? Mais ça ne s'est pas du tout passé comme ça. Chut. Écoutez. Des heures entières. Des minutes, des secondes. Il parle le langage universel. On n'a pas encore compris, personne ne sait. Nous le pouvons, Kate. Je peux comprendre. Et je peux vous l'enseigner. Nous allons sauver l'humanité. Oh, j'ai très chaud. Je voudrais bien sortir, j'ai besoin de respirer. Allons prendre un peu l'air. Attendez, je sais, Kate. Je sais tout, je vous expliquerai. Les heures deviennent des minutes, les minutes des secondes, les secondes s'allongent en années. Écoutez! Écoutez! Les étoiles! Écoutez-les! Elles s'adressent à nous! À vous! À moi! Les secrets seront transmis. Les secrets sont faits pour être transmis, je sais. Mais les autres ne me croient pas. De quels autres parlez-vous? De tous les autres, des autres gens. Des autres femmes. C'est moi qu'on a choisi, Kate. Et tous les autres n'entendent rien à tout ça. C'est le grand secret. Mais... Je vais le connaître, moi aussi, alors. J'ai confiance en vous. Je sais bien que vous n'irez pas me trahir. Oh, ça non! Oh, ça non, Mitchell! La plus jolie des fleurs. Et qui... Et qui sera mienne. Et que je ferai selon mon cœur. Oh. Oh, non! Asseyez-vous, Kate. Je pensais que vous croyiez en moi. Mitchell, je crois en vous, mais c'est une affaire si étrange. Incrédule comme eux. Mentir. Mentir pendant des années. Ils m'ont laissé croire que c'était lui, mon véritable père. Tricheur. Menteur. Tricheur. Le secret ne doit pas être partagé, il faut se taire. Vous comprenez? Toutes les bouches se sont closes. De cette façon, rien ne sortira d'ici. Mais n'ayez pas peur, ça vous fera pas mal. Mais ça n'est que du bruit, Mitchell. Ça ne signifie rien. Je suis sûr que si. Tricheur, tricheur! Oh, dites-moi tout. Votre vrai père, qui était-il? Que lui a-t-on fait? Elle a osé le mettre dehors, le rejeter. Alors que j'étais trop petit pour le défendre, je ne l'ai jamais su. Jamais je n'ai su pourquoi l'autre, le tricheur, détestait ma présence. Alors c'est ça. L'autre était un tricheur, quelqu'un qui vous haïssait. Tout le temps, j'essayais de lui faire plaisir, jamais je n'ai pu réussir. Jamais je n'ai réussi.
Pourquoi ces tricheries? Toutes ces années de tricherie, tout ce gâchis pendant des années. Elle aurait dû me dire tout. Quand elle me l'a dit, ça n'a pas changé, c'était trop tard. Vous avez appris ça aux vacances dernières. Votre mère vous a raconté. Toutes ces années gâchées en tricherie. Et faites un vœu, Kate. Kate. Décidé de laisser son empreinte sur Série Club. Tout de suite, deux épisodes du Fugitif.
Alors, où est-elle? Elle attend dans la pièce à côté. Je croyais t'avoir dit de garder les cheveux plus longs. Je les garderai comme ça si ça me plaît. Tu sauras qu'ici, on n'a pas à discuter les ordres. Assieds-toi, Sid. C'est l'heure de ma sieste. Que se passe-t-il de si grave? Je m'inquiète beaucoup de ta santé depuis cet examen à l'hôpital. Tu n'as pas de soucis à te faire, je suis encore en vie. Je n'en suis pas si sûre. Essaie de te détendre, ferme les yeux, laisse venir ton esprit jusqu'à moi.